Alors, bonjour à tous. Bienvenue à cet atelier numéro 4, les éléments clés de la formation continue en contexte de professionnalisation. Alors, je m'appelle Mélanie Quitla, je suis directrice de l'école technique et professionnelle à l'Université de Saint-Boniface à Winnipeg. Et sous ma responsabilité, il y a entre autres le programme de la jeune enfance. Alors, j'aurai le bonheur d'animer pour vous cet atelier dans lequel nous allons parler de la formation continue. Parce qu'une fois que nos éducateurs et éducatrices ont obtenu leur formation initiale, qu'est-ce qu'on fait pour continuer la professionnalisation, leur professionnalisation et les appuyer? Alors, avec moi, j'ai le plaisir d'accueillir Brigitte Lheureux. Brigitte est la directrice générale de la Fédération des parents de la francophonie manitobaine. Elle est impliquée dans le mouvement des parents depuis 2011. À elle se joint Geneviève Isalis. Donc, Geneviève est entre autres consultante et formatrice en EJE. Elle a travaillé dans le réseau des CPE au Québec. Elle a travaillé au Nouveau-Brunswick également. Alors, bienvenue Geneviève. Et puis David Caron, qui va activer sa caméra pour qu'on puisse voir son beau sourire. David est actuellement au Centre collégial de l'Alberta au campus Saint-Jean. Et il y est depuis 2002 et il a sous sa responsabilité la jeune enfance aussi. Alors, nous allons prendre la prochaine heure pour discuter. D'abord, nous avons quatre questions. On va prendre environ 35 minutes pour discuter des quatre questions que nos panélistes ont reçues à l'avance et ont pu préparer, échanger à ce sujet-là. Et ensuite, nous espérons recevoir des questions du public et nous avons prévu environ une dizaine de minutes pour répondre aux questions du public. Je vous invite à utiliser l'outil de clavardage pour poser vos questions parce que je crois que ce que nos panélistes ont à nous partager aujourd'hui sera assez intéressant. Donc, si ça vous va, moi, je vais me lancer tout de suite. Quand on pense à la formation continue, comment est-ce que ces formations-là nous permettent d'enrichir la pratique professionnelle des éducateurs et des éducatrices? Et là, je vais y aller tout de suite avec Geneviève, qui nous parle en direct de Trois-Rivières, qu'elle nous disait en préambule. Oui, Donc, je ben, souhaite cette c'est une bonne question de départ. En fait, tout de suite, dans ta question, il y a qu'est-ce qui nous permet d'enrichir la pratique professionnelle? Alors, ça m'a amené à me demander, OK, ben, qu'est-ce que c'est alors une formation enrichissante? Qu'est-ce qu'il faut mettre pour que ça soit enrichissant? Ça, c'est un peu comme quand on nous parle de qualité, puis qu'on se demande, OK, mais qu'est-ce que ça veut dire ça? Alors, je dirais, là, pour lancer le bal cet après-midi, que pour moi, une formation qui est enrichissante, c'est une formation qui va nous permettre de partir de l'expérience des éducatrices,
lui permettre d'interagir avec d'autres pour entendre d'autres expériences, mais aussi pour co-construire des savoirs à travers ce partage-là. Qu'une formation enrichissante, pour moi, ça serait aussi une formation dans laquelle on est engagé activement dans les apprentissages. Donc, on manipule, on explore. Il y a quelque chose de vraiment très concret qui nous engage. Puis, évidemment, je pense que je vais ajouter le dernier ingrédient qui est ça prend du plaisir aussi. Parce que si on veut s'enrichir, il faut comme être en ouverture. Puis pour moi, quand on a du plaisir, ça nous met dans cette posture-là, propice aux apprentissages, le plaisir. Alors, pour moi, ce qui nous permet d'enrichir, de faire de la formation quelque chose d'enrichissant, c'est un peu, c'est les premiers ingrédients que je mettrais dans la recette. Donc, la co-construction, l'engagement et le plaisir. Le Des ingrédients plaisir. dans une recette. J'aime beaucoup la comparaison à la recette. Je vais me lancer ensuite avec Brigitte. Donc, Brigitte, d'après toi, de quelle façon la formation continue permet d'enrichir la pratique professionnelle? Merci beaucoup. Je vais faire un peu de pouce ce que Geneviève disait. Évidemment, on veut que les gens s'amusent, mais je pense qu'un élément qui est super important dans le développement professionnel ou les formations continues, c'est justement ce réseautage et puis de développer les liens entre les éducateurs et les éducatrices. Plusieurs travaillent dans leur centre, ils ont leur propre façon de faire, mais c'est toujours des bonnes opportunités d'être parmi d'autres, rencontrer d'autres, voir comment ils font les choses ailleurs. C'est vraiment un moment pour les éducateurs et les éducatrices de prendre le temps de réfléchir sur leur propre pratique et puis voir comment ils peuvent améliorer les choses dans leur centre. Aussi, évidemment, c'est une opportunité pour apprendre de nouvelles choses. Mais dans tout domaine, le développement professionnel, ça fait partie de n'importe quelle carrière. Puis ça, c'est une carrière qui est super importante. Alors, je pense que les choses changent, les théories changent, les façons de faire changent, les jeunes changent, les parents changent. Alors, c'est important de demeurer innovateur et puis aux aguets des changements dans la communauté. Puis je pense, comme dernier point, c'est vraiment pour aussi que les éducatrices et éducateurs puissent se sentir valorisés. Alors, quand on fait du développement professionnel, normalement, ça valorise notre travail qu'on fait et puis ça permet de les demeurer engagés dans leur travail. Merci Brigitte. Donc, à cette recette, tu rajoutes le réseautage, la réflexion sur ses propres pratiques, le perfectionnement professionnel et la valorisation. David, est-ce que ça te laisse de la place à nous dire qu'est-ce qui est important dans les. Comment la formation continue enrichit la pratique professionnelle? Ben moi, je vais mettre le cuisinier dans toute cette affaire-là. Alors, pour moi, l'idée, c'est que peu importe l'enrichissement professionnel, il faut que ça vienne de la personne elle-même. Trop souvent, on constate en petite enfance qu'on se fait dicter quelles devraient être les bonnes places pour faire son développement professionnel. Mais si ça vient de soi, si la recette vient de soi, ben, automatiquement, on va avoir du succès dans la formation professionnelle. Merci beaucoup. Alors, on a une recette complète. Donc, passons à la prochaine question. Comment est-ce que les partenaires en petite enfance peuvent travailler ensemble pour assurer une offre de formation continue qui répond aux besoins des éducateurs et des éducatrices? Donc, on parle ici de vraiment complémentarité. Et je vais commencer par toi, David. Merci. Je pense que l'idée de travailler avec ses partenaires est essentielle lorsqu'on parle de la formation continue professionnelle. C'était essentiel de savoir comment les éducateurs dans le milieu perçoivent leurs défis. De notre côté, moi, je représente ici le centre collégial, alors on est un peu l'institution qui enseigne et on essaie toujours d'avoir les deux pieds dans le milieu, mais la réalité, c'est souvent que nos partenaires ont un meilleur accès. Si on veut, aux besoins des différents éducateurs dans le milieu. Alors, pour moi, c'est essentiel d'avoir un accès à ces partenaires-là. Chez nous, au centre collégial, on fait partie d'un groupe de travail en petite enfance avec le Réseau Santé Albertain et avec la Fédération des parents francophones de l'Alberta, le Conseil de développement économique de l'Alberta. Ces acteurs-là sont directement dans le milieu, impliqués avec les fournisseurs de services, impliqués avec les éducateurs. Alors,
avoir ces partenaires-là autour de la table, ça facilite définitivement la vie lorsque vient le temps pour nous de développer notre calendrier de formation continue, de s'assurer que les ateliers qu'on offre sont pertinents et sont à propos, suivent les besoins de la communauté. Alors, pour nous, cet échange avec les partenaires est essentiel pour s'assurer oui, de bien répondre aux besoins. Donc, David nous donne un peu la perspective de l'établissement d'enseignement. Brigitte, de ton côté, peut-être la même question, là, mais une perspective vraiment centre ou fédération de parents, justement, comme partenaire communautaire. Donc, comment est-ce qu'on peut travailler ensemble pour assurer une offre de formation continue? En reconnaissant qu'on a chacun nos champs de compétences et chacun nos rôles à jouer. Donc, à toi, Brigitte. Oui, mais nous, on reconnaît beaucoup l'importance des partenariats au Manitoba. On a beaucoup un peu comme David, de nombreux partenaires qui travaillent ensemble depuis très longtemps. Et puis, je soulignerais surtout, on a la table de perfectionnement professionnel en petite enfance qui est en marche depuis, je pense, 2010, même pas avant. Alors, sur cette table-là, la responsabilité, c'est de vraiment déterminer c'est quoi les formations continues que la Fédération des parents devrait continuer à offrir à ses membres. Alors, parmi les partenaires à la table, on a l'Université de Saint-Boniface, évidemment, un représentant des enseignants dans le programme d'éducation de la jeune enfance. On a un représentant de la division scolaire franco-manitobaine qui est un important partenaire dans ça parce qu'elle a nombreux, plus de, je pense, 95 % des centres se situent dans une école de la division scolaire franco-manitobaine. On a également des directions de centres. Alors, on a 2-3 directions des centres, alors des CPE, des garderies, je ne sais pas dans quelle région, comment vous les appelez. Nous, on les appelle les centres d'apprentissage qui sont parmi la table. Et puis, il y a également la Fédération des parents. Alors, l'objectif, c'est vraiment de voir les tendances, les enjeux, puis les besoins de formation identifiés sur le terrain. Alors, on va faire un survol des appréciations des ateliers antérieurs. Et puis ensuite, la table valide des ateliers qui vont être distribués. Alors, ça, c'est un exemple. Rapidement, on a d'autres exemples de partenariats où est-ce qu'on parle vraiment de champs de compétences. Alors, on a développé en partenariat avec l'Université de Boniface et puis le Réseau de développement économique ici à Manitoba, le CDM, tout un parcours d'ouverture de garderie familiale. Alors, chaque partenaire, selon leurs compétences, offre une partie du parcours. Alors, on a l'université qui offre le cours de développement de l'enfant d'ouverture de garderie familiale, le cours de 40 heures nécessaire. Ensuite, la Fédération des parents offre toute la formation par rapport au licencement, l'appui par rapport aux politiques, par l'aménagement de la salle, et les choses, des petites particularités comme ça, comment travailler avec la coordinatrice de la province. Ensuite, le Réseau de développement économique, alors le CDM, eux, ils font l'appui par rapport au plan d'affaires, aux procédures, à la comptabilité, les prix et autres. Alors, ensemble, les trois partenaires offrent un parcours pour les futurs entrepreneurs en garderie familiale. Je trouve que l'importance de ces partenariats-là, vraiment, c'est que le plus de partenaires qui sont impliqués dans la petite enfance, le plus d'alliés qu'on a dans la petite enfance, le plus qu'ils connaissent les enjeux. Mais c'est vraiment important pour nous d'avoir des alliés, puis on fait ça en ayant des partenaires qui comprennent bien les enjeux de la petite enfance, puis nous aider à trouver des solutions. Merci, Brigitte. Donc, si on revient à Geneviève. Alors, Geneviève, c'est toujours difficile d'arriver à la fin, là, mais je suis certaine que tu peux nous donner ta perspective aussi sur la manière dont on peut travailler ensemble. Bien, peut-être je vais commencer par, parce qu'effectivement, tout ce qui est nommé là, c'est tout à fait vrai, puis on a besoin hein, de tous ces partenariats-là pour avancer. Je vais peut-être partager deux expériences plus particulières, puis qui amènent peut-être à voir comment on peut trouver cette force-là dans le développement de contenu vraiment de qualité pour soutenir les éducatrices. Donc, je vous amène au Nouveau-Brunswick, où l'Association francophone des parents du Nouveau-Brunswick exerce vraiment un leadership depuis de nombreuses années pour essayer de faire en sorte que s'installe un véritable triangle
partenariale autour du réseau des services éducatifs à la petite enfance. Je m'explique, un triangle de gouvernance qui nous permet de bien lire la situation, de suivre l'évolution du secteur. Un triangle dans lequel on retrouve le gouvernement, le ministère ici, dans ce cas-ci, de l'éducation et du développement de la petite enfance, les services éducatifs francophones eux-mêmes et les parents, avec l'Association francophone des parents du Nouveau-Brunswick. Donc, on pourrait dire que ça nous permet, ce triangle-là, de réunir à une même table, bien évidemment, les preneurs de la formation, donc ceux qui vont la recevoir, l'utiliser, qui en ont besoin, qui sont en appel de compétences ou de connaissances, qui sont les services éducatifs, les utilisateurs ou alliés qui sont les parents, hein, qui utilisent les services éducatifs, qui peuvent eux-mêmes avoir aussi des attentes ou d'avoir un souhait pour le développement de la qualité dans ces milieux-là. Et finalement, on pourrait les appeler les régulateurs ou ceux qui font les normes, les lois, qui placent les cadres. Alors, travailler à mettre en place ce triangle-là, je dirais que c'est un peu une mission que la FPNB s'est donnée depuis quelques années. Puis, je mentirais si je vous disais que c'est une mission facile, mais on y arrive petit à petit. Des fois, il faut rattraper le fil, il faut se replacer ensemble, il faut rappeler l'importance de ce triangle-là. C'est un triangle essentiel qui est au cœur de la dynamique de mobilisation dans le secteur. Et bien sûr, autour de ce triangle, il y a plein d'autres partenaires qui viennent se greffer. Et ça, c'est une première expérience. La deuxième que j'ai envie de vous partager, on éclate un peu, on sort du Nouveau-Brunswick dans une dynamique plus pan-canadienne parce que faire ensemble, c'est pas juste faire dans notre province ou avec nos partenaires proches. Alors, dans le cadre d'un projet sur l'accueil et l'accompagnement du parent depuis 3 ans presque maintenant, la FPNB au Nouveau-Brunswick pilote a rassemblé les associations de parents un peu partout au pays pour travailler à la conception, à la livraison, à l'animation d'un projet de développement professionnel pour l'ensemble des éducatrices, éducateurs qui travaillent dans nos milieux. Alors là, c'est comme si cet enrichissement, on va le chercher aussi dans l'innovation que ça nous permet de se confronter aux idées des autres, à d'autres provinces, à d'autres réalités. Et ça nous amène, je pense, vers la conception de contenu de grande qualité parce qu'on travaille ensemble. Fait que c'est peut-être les deux petits ajouts plus spécifiques que je voulais apporter dans la discussion. Merci Geneviève. Alors, moi, j'écoutais beaucoup la partie où tu parlais du triangle. Ça me fait penser au pentagramme que la Société Santé en français a essayé de mettre en place aussi. Donc, l'importance de travailler ensemble, les régulateurs, comme tu les appelles, les utilisateurs et les donneurs. Moi, j'aurais envie de comparer ça à une roue. Il faut que la roue tourne, puis si tu en as un qui n'avance pas à la même vitesse que les autres, bien là, la roue, elle ne tourne plus très rapidement, puis ça va finir par faire une crevaison. Donc, j'aime beaucoup l'idée qu'il faut travailler ensemble, il faut tous qu'on avance. Et on sait que... Je regarde Brigitte ici, je pense qu'elle le sait à quel point des fois, ce n'est pas toujours facile. Alors, c'est très intéressant comme commentaire. Donc, merci Brigitte, David et Geneviève. Je vois qu'on avance dans nos questions. On est rendu à notre troisième question. On vous donne à peu près 3 minutes chacun. Est-ce que vous avez des exemples d'outils ou de pratiques qui sont en place qu'on devrait développer qui favorisent l'offre de formation continue de haute qualité et adaptée au contexte de nos communautés francophones en milieu minoritaire? Parce que, ben là, moi, je mets la parenthèse, là, tu sais, on voit toujours plein de choses qui sortent du Québec des fois, puis on dit « Oh, vous devriez adopter ça. » Ben, c'est beau, mais le Québec est en milieu majoritaire ou puis en majoritaire francophone ou le collège anglophone fait telle chose, ben c'est bien, mais ils n'ont pas les mêmes réalités que nous. Donc, donnez-nous des exemples pour nous inspirer les gens qui nous écoutent sur qu'est-ce qu'on peut faire pour mettre en place des formations de haute qualité. Et là, je vais céder la parole à Geneviève cette fois-ci. Mm-hmm.
OK. Alors, ben, j'avais l'embarras du choix parce que ces dernières années, au niveau Monduc, on a été très, très actifs. J'avais envie de vous parler d'abord de, je pense que c'est un peu la démarche fondatrice de tout ça. Il y a maintenant peut-être une dizaine d'années, on s'est arrêté on se dit, bien, ça nous prend un cadre pour développer de la formation. Il faut savoir, dans ce contexte de professionnalisation, nos éducatrices, éducateurs en contexte minoritaire, francophone, on veut bien comprendre pour qui on est en train de construire de la formation. Donc, on s'est posé la question, qu'est-ce que ça prend pour être une éducatrice? Une professionnelle de la petite enfance en contexte minoritaire. Quelles sont les principales compétences, caractéristiques de ce travail-là? Donc, ce qu'on vise, donc d'avoir des professionnels de la petite enfance. Et on a établi ça dans un tableau et on a ajouté une colonne une fois qu'on a eu tous nos éléments. Puis là, on s'est demandé, OK, mais si ce sont les compétences qu'on pense qu'une éducatrice en contexte minoritaire doit maîtriser, à quoi doit ressembler la formation pour qu'elle nous permette de soutenir le développement de ces compétences-là? Quel genre d'ingrédients? Donc, si on s'attend, je vous donne un exemple, à ce que on souhaite que l'éducatrice soit capable d'avoir vraiment une compétence forte en matière de collaboration, d'établissement de collaboration positive. Bien, ça veut dire qu'en formation, il faut qu'on installe dans notre façon de travailler pendant la formation des activités qui vont lui permettre de développer sa capacité à collaborer. Donc, on va placer des activités qui vont les faire travailler en coopération, on va les amener à relever des défis ensemble, on va soutenir le développement de cette compétence-là. Donc, ce cadre-là, il nous suit depuis donc une dizaine d'années et il nous inspire à chaque fois qu'on veut bâtir une formation, on retourne à cet ancrage-là qui sont les compétences qu'on a jugées essentielles pour l'éducatrice petite enfance en contexte minoritaire, puis ça nous donne plein de pistes sur qu'est-ce qu'il ne faut pas oublier de mettre comme ingrédient dans notre formation. Fait que ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, bien, c'est qu'évidemment, une fois qu'on a ça en tête comme cadre, bien là, il faut construire une des formations. Et on avait toujours l'impression qu'on repartait un peu dans une aventure de conception qui allait varier selon le contexte, puis qui est là, puis combien de temps on a. Alors, au fil du temps, ce qu'on est arrivé à faire, c'est à définir un processus dans la conception de formation qui nous permet d'avancer en mode organisé et solide, sans oublier des étapes, de façon à ce que les formations porte vraiment toujours les ingrédients essentiels de qualité et qu'on soit capable de reproduire le processus, même si les gens changent autour de la table. C'est un processus qui est formalisé, qu'on est capable de partager, qui est visuel et donc on suit étape par étape pour arriver à concevoir des formations. Alors qu'au départ, là, je vous le dis souvent, on était dans les processus de coin de table. On s'assoit, ouais, faudrait monter une formation là-dessus, on s'installe, on se bricole quelque chose. Alors, je dirais que le processus de conception de formation, il s'est lui-même professionnalisé pour être à la hauteur des défis qu'on voulait relever dans la formation continue des éducatrices et éducateurs en contexte minoritaire. Là, ben, on a continué à avancer, puis on a voulu former des formateurs pour être capable de porter ces formations-là. Puis évidemment, on ne peut pas avoir tous les formateurs à la table pendant qu'on est en train de concevoir, même si ça arrive souvent qu'on a des formateurs qui sont impliqués dans la conception. Alors, on a dû imaginer et expérimenter, valider, solidifier au fil du temps un processus pour assurer la formation de formateurs qui soit un processus solides qui nous permettent de nous garantir qu'à la fin, nos formateurs se sentent outillés, prêts, bien appuyés pour partir avec le contenu des formations élaborées, mais surtout avec des approches en formation de l'adulte qui vont être les mêmes et qu'on va partager. Donc, on a un processus de conception de formation qui nous permet d'accompagner les formateurs, pas seulement dans l'exploration des contenus qui ont été développés, mais aussi dans leur appropriation des approches en formation de l'adulte. On en parlait tantôt des ingrédients clés. Alors, trois outils clés qu'on a construits au fil des ans.
Donc, vous êtes beaucoup dans l'approche holistique, je dirais, vraiment. On fait le tour, 360. C'est ça, on fait le tour, puis on s'assure qu'on a une case une fondation solide en place. David, est-ce que toi, tu as des exemples ou des outils qui pourraient nous inspirer? Bien, moi, je vais vous parler plus des pratiques que des outils. Je pense que les outils, on les a fait mon tour aussi. Alors, nous autres, ici au Centre collégial, bien, on fait partie, au bout du compte, au sein de l'Université de l'Alberta. Alors, pour que nos formations soient offertes, à quelque part, il faut qu'elles rencontrent le saut de qualité de l'Université de l'Alberta. Alors, déjà, dès qu'on va aller approcher un formateur pour nos ateliers, on va essayer d'aller chercher ce côté-là. Alors, on parlait de former le formateur. Bien, nous, on essaie d'avoir déjà des formateurs bien formés quand on va les chercher pour s'assurer qu'avec la formation que va aller chercher nos participants remplit les normes de qualité que nous-mêmes, on s'est imposées ici. On va essayer aussi de créer un environnement pour que le participant soit le plus prêt à bien accueillir toute l'information qu'on va lui partager. On sait que les éducatrices qui arrivent dans nos formations vont avoir différents horizons au niveau différents, vont faire différents bagages au niveau de leur éducation. Ici, en Alberta, on peut pratiquer avec un cours de 45 heures, on peut être à temps plein dans une garderie. Alors, ça veut dire que nos éducatrices n'ont pas nécessairement beaucoup de bagages éducatifs. Mais de l'autre côté du spectre, je vais peut-être aussi avoir des éducatrices qui arrivent avec un baccalauréat ou une maîtrise. Alors, au niveau de la pratique, il faut s'assurer que nos formateurs, lorsqu'ils arrivent, sont conscients de cette diversité-là, au niveau de la capacité de la personne qui vient dans nos ateliers, de bien pouvoir accumuler et utiliser tous les outils qui vont se faire donner, toutes les formations qui vont se faire donner. Alors, on essaie vraiment de créer ce contexte-là, cet environnement-là, pour que l'apprenant puisse avoir la meilleure capacité, la meilleure possibilité de bien comprendre ce qu'on va lui présenter comme information. On parlait aussi de la valorisation de la profession d'éducatrice dans les derniers ateliers. Puis je pense que aussi c'est important pour avoir la meilleure pratique possible au niveau de la formation. C'est important d'arriver puis de les placer dans un contexte où elles sont valorisées comme participants. On avait un atelier pas plus tard que la semaine dernière, une journée d'atelier, parce qu'on avait trois ateliers distincts qui ont été offerts en même temps. On a essayé justement de créer cette espèce de conférence-là, cette espèce d'environnement de conférence, parce que le participant, tout à coup, fait « OK, bien là, j'ai vraiment un horaire à suivre durant ma journée », puis on essaie de créer cet engouement-là, de dire que bien, on ne vient pas juste s'asseoir dans une salle avec du matériel qu'on a fait donner. Non, tu sais, on essaie d'avoir des moments de partage, ces moments-là où est-ce qu'ils peuvent interagir. Alors, un peu ce qu'on fait aujourd'hui, mais on a eu la chance de le faire en présentiel. Alors, j'avoue que c'est quelque chose d'assez intéressant de devoir reconstruire ça. Puis, carrément, d'arriver avec un bagage participant. Alors, d'arriver avec la vignette, le nom, tout ça, toutes les pratiques qui font en sorte que la personne, encore une fois, que le participant va arriver dans un contexte de « oui, OK, on a vraiment organisé cette journée-là pour que je puisse bénéficier le plus possible de mes apprentissages. » Alors, c'est ça. Alors, c'est vraiment ça que je peux dire pour nous au niveau de nos pratiques pour s'assurer que la formation soit toujours un succès. Et de ton côté, Brigitte, est-ce que tu as des exemples d'outils de pratique que tu veux partager avec nous? Oui, bien, comme tu as dit déjà, Mélanie, beaucoup de l'expertise qu'on trouvait à l'extérieur avant, c'était du Québec. Puis, c'est justement, je voudrais parler plutôt des communautés en francophone, en situation minoritaire, puis les éducatrices qui travaillent dans ce domaine-là. La Fédération des parents, durant la pandémie, on n'a certainement pas chômé. On a eu de nombreux projets. Un des premiers projets, c'était vraiment de faire pour la première fois, bien, pas pour la première fois, le programme éducatif pour les services de la petite enfance francophone du Manitoba. Alors, ça a vraiment servi, comme Geneviève nous a appuyé dans ce projet-là, servi vraiment de voir c'est quoi les compétences qu'on veut, c'est quoi nos principes qui nous guident. C'est vraiment travailler ce côté de l'éducatrice au sein d'une communauté minoritaire. Et puis encore, quand on revient aux partenaires, les partenaires importants, on a pu bénéficier beaucoup pour développer des nouveaux ateliers que la Fédération des parents offre. Alors avant, on n'en offrait pas des ateliers, nos propres ateliers, mais durant les dernières années, avec l'appui de la CNPF, on a pu développer une formation sur la construction identitaire en petite enfance qu'on peut maintenant livrer aux professionnels en petite enfance avec l'appui de la FPME et leur projet pan-canadien. On est maintenant en mesure d'offrir
des formations en accueil et accompagnement du parent en contexte minoritaire, alors quelque chose qu'on ne ferait pas auparavant. On a développé des ateliers sur la francisation en petite enfance. Alors, on a de nombreux jeunes qui arrivent où ce que la langue n'est pas encore acquise. Alors, ça, c'était tous des éléments importants qu'on devait faire pour assurer qu'on touche cet aspect de qu'on travaille en contexte minoritaire au Manitoba. Alors, ça, c'était une première chose. Ce qu'on travaille envers prochainement, c'est qu'on est en train d'explorer comment est-ce qu'on peut innover dans l'offre de formation au Manitoba, surtout l'offre de formation de la Coalition de la petite enfance. Alors, ici au Manitoba, les éducateurs et éducatrices, la plupart doivent accomplir 24 heures de développement professionnel à travers l'année. Et puis, jusqu'à date, ce qu'on offre, c'est juste des ateliers ici et là, qui souvent ne sont pas crédités, n'amènent pas à un avancement de carrière. Alors, on commence à voir vraiment que on peut mieux faire des développements professionnels. On peut, dorénavant, on veut vraiment explorer, d'offrir des parcours de développement professionnel qui touchent des thématiques spécifiques ou des compétences spécifiques pour les éducateurs et les éducatrices, qui peuvent leur servir dans l'avancement de leur carrière, soit qui va devenir superviseur, direction, mentor, etc., qui peuvent possiblement être accrédités à l'université pour faire continuer avec la formation initiale et autres. Et ce développement de parcours, c'est une série d'ateliers qui sont vraiment développés pour approfondir les apprentissages et avoir le temps sur le terrain pour les mettre en œuvre. Alors, j'avais vu un des commentaires, c'était justement ça. C'est ça, les parcours, c'est pouvoir offrir un atelier, vous allez sur le terrain, vous revenez, vous faites un autre atelier qui fait un suivi, vous allez sur le terrain. Alors, vraiment quelque chose de concret qui amène vraiment à des différences de qualité dans les centres. Donc, merci beaucoup, Brigitte. Mais c'est beau maintenant d'avoir des pratiques, des outils, c'est beau d'avoir de la formation. Le Manitoba n'est peut-être pas différent des autres provinces, mais quand je pense au Manitoba, beaucoup de nos centres sont en région rurale. C'est probablement la même chose en Saskatchewan, c'est probablement la même chose. Donc, on ne peut pas s'attendre à ce que tout le monde vienne à Winnipeg pour suivre une formation. Donc, ce qui m'amène à la prochaine question, c'est comment est-ce qu'est-ce qu'on fait pour mieux faire connaître les formations professionnelles qui sont offertes et les rendre accessibles tant par rapport à la distance que par rapport au coût, que comment qu'on amène les gens à participer à ces formations-là. Donc, Brigitte, je vais te laisser commencer. Peut-être deux minutes pour qu'on ait le temps de prendre quelques questions à la fin, là. Donc deux minutes de réponse. Pour toi, ben, oui, merci. Alors, bien évidemment, c'est d'offrir des ateliers qui sont soit en format hybride ou de se déplacer en rural, de ne pas toujours demeurer sur une place. Nous, on des fois des formations sur les locaux même pour le centre unique. Puis, je pense qu'on doit vraiment travailler encore plus fort pour offrir des formations de qualité qui répondent vraiment aux besoins des éducateurs et éducatrices, puis les besoins des centres et de la communauté. Je pense que le rôle des directions est de grande importance pour appuyer leur personnel dans leur développement professionnel. Alors, tu sais, ce n'est pas juste l'éducateur, il faut qu'on vraiment regarde à tous les professionnels et puis vraiment regarder ça comme un ensemble. Et puis, je pense que nous, on commence à découvrir avec ce projet d'exploratoire, c'est qu'on doit vraiment arriver au point où les centres doivent accorder du temps aux éducateurs de faire un développement professionnel au sein des heures de travail et pas toujours en semaine, en fin de semaine ou en soirée. Alors, vraiment, pour valoriser le modèle, on doit leur permettre le temps de vraiment se ressourcer, pas à la fin de la journée quand ils sont fatigués ou la fin de semaine quand ils ont mis d'autres tâches à faire. On devrait offrir ce ballon pour les éducateurs, les éducatrices. Et puis, évidemment, ça vient avec une équipe remplaçante et puis un budget pour faire, mettre ça en œuvre aussi. Alors, ça, c'est ma... J'ai juste une minute, alors je me limite à ça. Mais c'est que tu as quand même riche ce que tu nous as dit. Là, moi, je retiens la valorisation, intégrer ça dans le milieu de travail, dans les attentes du travail, dans le temps du travail, puis s'assurer qu'il y a du budget. Ça, c'est l'argent et le nerf de la guerre. David, d'après toi, qu'est-ce qu'on peut faire pour rendre faire connaître ces formations-là puis les rendre plus accessibles? Bien, c'est sûr que pour l'accessibilité, un peu comme que disait Mme Lheureux, l'idée de pouvoir offrir ça de manière hybride le plus possible. Quoi qu'en même temps, on sait que c'est un domaine où est-ce que les gens aiment ça,
participer de façon physique. Hein, là. C'est un travail qui ne se fait pas à distance, à l'éducation de la petite enfance. Alors, de pouvoir partager de façon plus physique tous ces apprentissages-là, c'est essentiel. Alors, il faut trouver des façons de pouvoir déplacer quand c'est nécessaire. On continue quand même à essayer de le faire de façon hybride pour permettre le maximum d'accès possible. Mais quand on parle à nos partenaires, ben, justement, l'essai qu'on a eu vendredi dernier, et oui, c'était vendredi durant une journée, alors c'était pas ni un soir ni une fin de semaine. Cette journée de formation-là, le partenaire a réussi à faire déplacer des éducateurs de partout en province. Il y en a qui ont fait des 400 km pour venir. Pas nécessairement facile, mais au moins, c'était durant une journée de travail. Alors, ça leur a permis de vraiment engager durant cette journée-là. Au niveau de la publicité, ben effectivement, il faut se baser sur nos ressources ici qu'on a à l'interne. On a tout un service de communication. Alors, c'est sûr que notre service de com fait la pub de tous ces événements-là qu'on organise au niveau des ateliers en petite enfance pour rejoindre le maximum de participants possible. Mais cette publicité-là se fait quand même avec nos partenaires. Alors, j'y reviens encore. Si on n'a pas les partenaires pour diffuser nos informations, c'est pas trop long qu'au niveau de, en tant que qu'offreur de services, quand on fait le tour de la communauté universitaire, ou disons que les listes de distribution typiques ne sont peut-être pas celles qui sont visées, qui sont ciblées par nos moyens de communication habituels. Alors, d'avoir accès, de pouvoir partager ces informations-là, d'avoir des partenaires qui sont engagés avec nous dans la réussite de ces formations continues-là, de ces ateliers de perfectionnement, c'est essentiel pour qu'ils soient proprement diffusés et aussi qu'ils soient accessibles pour tout le monde. Merci, David. Et Geneviève, les mots de sagesse de la part du nouveau Mais en tout cas, des apprentissages. Oui, c'est ça. Certainement des apprentissages. En tout cas, travailler dans des projets qui touchent l'ensemble de la francophonie canadienne, ça nous amène rapidement à considérer des avenues pour faciliter ou favoriser l'accessibilité aux formations. Puis, je dirais que les deux premiers ingrédients qui me viennent en tête, c'est diversifier. Les modes, les types de formation pour qu'il y en ait un peu aussi pour différents besoins, différents types d'éducatrices, début, fin de carrière, direction, tout ça, ils ont besoin de formats différents. Le deuxième mot, certainement, au-delà de la diversité, de la flexibilité. Donc, quand on conçoit nos formations avec nos partenaires là, un peu partout au Canada, on se préoccupe là, d'avoir, oui, un format 6 heures, par exemple, pour une formation, mais on va aussi le décliner en 3 fois 2 heures, 2 fois 3 heures, pour qu'il puisse s'adapter à différentes réalités, différentes contraintes. On va voir le format web, le format en salle. Fait que ça exige plus pour être capable d'arriver à cette accessibilité-là. Spontanément, il me vient aussi en tête qu'il s'agit d'élargir aussi le cercle de nos formateurs. Plus on a des formateurs dans les différentes provinces, dans les différentes régions de la province qui sont formés, solides, capables de porter des contenus, bien, on renforce la capacité, dans le fond, de rejoindre nos gens. Nous, on travaille, on anime une communauté de formateurs qui est pan-canadienne, qui permet de garder engagés nos formateurs aussi, de les dynamiser, de les amener à approfondir leurs compétences, leurs connaissances. Puis finalement, le dernier ingrédient, puis je rejoins la communication, David, tu parlais de ça. Bien, il y a aussi tout le développement d'un vocabulaire commun pour parler de la formation en contexte minoritaire, développer nos mots pour parler de ça, tant dans les stratégies qu'on utilise que le vocabulaire lié aux compétences, lié à nos cibles en termes de qualité. Et ça, je pense que ça nous aide à avoir une offre qui se distingue. Des fois, dans une jungle, dans certaines provinces, pour avoir quand même une offre de formation qui arrive un peu de toutes parts, aller vraiment là, tu sais, solidifier notre façon de parler de la formation. Je pense que c'est une clé aussi dans l'accessibilité. Fait que voilà, les ingrédients que j'ajoute. Absolument. J'aime vraiment le thème de cuisine qui s'est développé dans le cadre de cet atelier-là. Donc, on a des ingrédients. Maintenant, on parlait de partenariat tantôt. Donc, j'invite les gens qui sont en ligne, qui nous écoutent, à nous poser des questions. Il nous reste environ 5 minutes. Moi, je vais commencer par une première question qui m'a été envoyée par Clavardage directement. Qui est comment on répond aux besoins de formation continue des éducatrices et éducateurs, mais en fonction des types d'établissements dans lesquels ils travaillent? Puis là, ça peut peut-être lancer un débat. Est-ce qu'il y a besoin de différents types de formation? Mais
T'sais, on a des éducatrices qui sont en milieu familial, on en a d'autres qui sont dans des grands centres, on en a d'autres qui sont au sein d'établissements scolaires. Donc, je ne sais pas si quelqu'un veut se lancer dans ça, là. Comment on répond à ses besoins de formation continue? Vas-y, Geneviève. Bien, moi, la première chose qui me vient, puis tantôt Brigitte l'a dit, quand on a la possibilité d'aller faire de la formation dans les milieux ou auprès de groupes plus ciblés, bien, ça nous permet d'adapter à ce moment-là les contenus qu'on a à la réalité d'un milieu. Quand on rejoint un service directement dans les locaux où sont ouverts, on fait les services aux enfants, aux familles, ça nous permet de travailler dans le concret de leur réalité. Donc, est-ce que c'est un milieu rural? Est-ce que c'est un tout petit milieu, un grand milieu? Est-ce qu'on accueille du 0-12 ans? Est-ce qu'on accueille juste du 0-5 ans? Est-ce qu'on a une grosse pouponnière? Alors, tout ça, ça nous permet de s'ajuster quand on a aussi dans notre diversité d'offres de services là, la possibilité d'aller directement dans le milieu. En effet, donc, quand on rentre en milieu, on sait à qui on s'adresse. Tu voulais rajouter, David? Oui, c'est ça. Tantôt, on parlait de former le formateur. Bien, pour moi, quand on organise une formation, étape numéro un, c'est de discuter avec le formateur pour lui expliquer ça va être quoi la clientèle qu'il va avoir en face de lui. Et c'est justement de lui présenter ces diversités-là au niveau de son auditoire pour qu'il puisse correctement se préparer avec, oui, les bons termes, avec, oui, les bonnes perspectives, de dire, OK, d'un côté, je vais peut-être avoir 40 personnes qui travaillent toujours ensemble parce qu'ils font une grosse garderie. De l'autre côté, je vais avoir une personne qui est dans une garderie en milieu familial, donc qui est toujours toute seule. Alors, de bien présenter au formateur à l'avance comme à quel genre de personne va avoir en face de lui pour qu'il puisse adapter son contenu en fonction de ces gens-là. Quand je parlais de mon journée d'atelier qu'on a donnée justement vendredi passé, bien, une des choses qu'on a fait, c'était justement de diviser en deux notre bassin d'éducatrices pour qu'ils puissent avoir d'un côté des gens qui travaillaient davantage avec des 0-5 ans, puis de l'autre côté qui travaillaient avec des enfants d'âge scolaire au niveau des services de garde. Alors, ça a permis aux formateurs d'être flexible dans sa livraison, mais du message, mais au bout du compte, il a présenté la même chose, mais à deux clientèles différentes. Alors, je pense que c'est important d'avoir, pour moi, en tant que personne qui organise des formations, de s'assurer que la personne, que le formateur va avoir ces informations-là, a priori, et non pas se faire surprendre et d'avoir un message finalement commun et universel qui ne cadrera peut-être pas avec personne à la fin. Merci beaucoup. Alors, il y a une autre question qui nous était. Bien, il y a deux autres questions qui nous sommes arrivées dans le clavardage. La première, quand on parle d'une communauté de formateurs, ça consiste en quoi? Si on a des gens qui sont à l'écoute, qui veulent s'engager dans cette communauté de formateurs-là, comment est-ce qu'on s'y prend? Je pense que c'est toi, Geneviève, qui avais abordé cette question-là. Oui, bien, Brigitte est une membre de cette communauté, fait qu'elle pourrait aussi en parler. Donc, au départ, cette communauté a été mise en place pour regrouper la vingtaine de formateurs qui ont été formés à travers le pays pour offrir une formation, des formations en accueil et accompagnement du parent en contexte minoritaire. C'est la FPNB qui pilote cette communauté-là, mais elle a été élargie depuis. Elle accueille d'autres formateurs qui travaillent en contexte minoritaire ou des partenaires de la CEF, de la CNPF, différentes institutions d'enseignement. Donc, je dirais que la meilleure façon, si vous cherchez une invitation pour notre communauté qui se réunit à peu près une fois par mois, c'est peut-être de voir avec l'association de parents dans votre coin de pays, voir si eux sont partie prenante de cette communauté-là. Une communauté qui nous permet d'approfondir nos connaissances en intervention en contexte minoritaire, de partager les enjeux qu'on relève sur le terrain, mais aussi d'améliorer, de toujours travailler sur nos compétences en formation, donc toutes nos habiletés de formateur, notre compréhension des approches qu'on privilégie dans les formations. Donc, un moment très, très riche chaque fois. Bon, c'est ce que je peux dire. Merci, Geneviève. Brigitte, est-ce que tu voulais ajouter quelque chose ou ça t'allait? Puis je prends la question de Gilles. Non, tu peux passer à la prochaine question. Je pense que Geneviève va très bien. Je fais partie de la communauté et puis ça nous appuie énormément par rapport aux stratégies et puis des craintes et puis comment justement ajuster par rapport à ton groupe et autres. Alors, beaucoup de partage de riches. OK. Je vais prendre la dernière question qui est la question de Gilles qui est très spécifique. Gilles est au Manitoba et le Manitoba est en train de voir si on ne peut pas offrir dans le cadre d'une formation technique et professionnelle au secondaire des formations sur l'éducation de la jeune enfance.
Et une des questions qui ressort de tout ça, c'est pour enseigner au secondaire, il faut absolument avoir un brevet d'enseignement spécial pour la formation technique et professionnelle. Alors que, par exemple, pour enseigner en milieu post-secondaire, il faut vraiment être spécialiste dans ton domaine, mais pas nécessairement avoir de brevet. Donc, sa question, c'est est-ce qu'il y a des modèles, des stratégies, des pistes qui existent ailleurs pour offrir de la formation en jeune enfance aux écoles secondaires? Alors, je ne sais pas si vous êtes au courant de qu'est-ce qui se passe dans vos provinces, dans la formation secondaire. Je te vois sourire, David. Est-ce que tu as quelque chose à partager avec nous? Non, non, mais c'est parce qu'effectivement, c'est un défi qu'on avait tantôt. On parlait de double reconnaissance des crédits dans l'atelier précédent. Justement, c'est un défi qu'on a chez nous. C'est que d'un côté, on veut avoir des étudiants secondaires qui vont prendre un cours en petite enfance, puis qu'après ça, va être reconnu au niveau du collège. Et mais en tant que tel, il aimerait ça que ce soit le collège qui le donne, mais il faut que ça soit accrédité, il faut que ça soit accrédité par l'enseignant au niveau secondaire. Finalement, ça amène une espèce de casse-tête où est-ce qu'une personne qui n'est pas responsable au niveau du collège doit quand même accepter une note qui arrive du secondaire. En tout cas, mais ça pour dire que il faut effectivement avoir cette espèce de pont-là parce que pas chez nous, au niveau du collège, il n'y a absolument rien qu'on demande au niveau de brevet en éducation pour pouvoir travailler au niveau de la petite enfance. Mais cela étant dit, on a de plus en plus de gens qui sortent de l'éducation et qui viennent enseigner dans le programme. Alors, bien qu'ils ont fait un bac ou même dans certains cas, qui ont fait une maîtrise dans certains domaines de l'éducation puis qui viennent enseigner. Fait que peut-être que ces ponts-là vont se faire différemment pour les prochaines années. Peut-être. Et je vois que le clavardage continue, donc on a des réponses qui viennent dans le clavardage aussi qui sont très utiles. Alors, malheureusement, on est déjà rendu à la fin de cet atelier-là, donc je vous invite à poursuivre la conversation pendant la pause de réseautage. Et je vous remercie beaucoup. Je remercie les panélistes pour leur dynamisme dans les réponses, la clarté dans les réponses. Et je remercie les participants qui nous ont écoutés, je suis certaine, attentivement et qui quand même réagissaient dans le clavardage. Donc, c'est très apprécié. Et comme Inessa nous dit dans le clavardage, l'atelier numéro 5 d'intégration professionnelle des personnes formées à l'étranger commence à 15h40. Ça, c'est si vous êtes en Ontario et au Québec, dans le reste du Canada. Je vous laisse trouver à quelle heure c'est. Mais merci beaucoup et merci encore à la CUFC d'organisation de ce symposium-là. C'est génial. Alors, bonne fin de journée. Merci.